Ok, on a des balles et une énorme cible. On va devoir tirer à tour de rôle pour à la fin avoir un numéro de téléphone. Donc si on tire dans le 14, puis le 11, puis le 14, puis le 11, on va devoir appeler ce numéro. Et bien évidemment, on sera pas tout seul pour cette vidéo. Et... allez, c'est parti pour appeler des numéros au hasard. 0-0. Vas-y. Ah oui, 0-0. Oh, 14. Ok, bon les gars, j'ai besoin de vous parce que là depuis tout à l'heure on fait que des 0-0. Le numéro ne va pas exister. Faites-moi un... allez, un 20 pour voir si vous êtes précis. T'as pas dit un 2, connard. Oh, ouais, t'as tu fais exprès. Moi, tu fais exprès, s'il te plaît. Je vous jure que je suis sérieux à 100%. Allez, j'appelle. Ok, une contrainte que je dois dire, une seule. Le mot sardine. Sardine, trop tard, il a dit sardine. Et bah c'est pas grave, on change. Les gars, tant qu'on n'a pas de numéro, on n'arrête pas. Ok, c'est parti. 0. 07, 06. Aïe. Si on continue avec que des 0, il y aura personne à la fin. Allez, s'il te plaît là. Fais remonter le numéro. Voilà. 07, 06, 09. Voilà. 9. C'est ta chance. Oh là là. Mais non. Let's go, frérot. Oh, presque mon gars. Bonjour, c'était le numéro de téléphone ou les codes à envoyer. Vas-y. Non, mais non. Voilà. 7. Ah, 19. 07, 07, 19. Voilà. C'est vrai ça. 16. Oh, ça marche. Ça marche les gars. Oh. Terrain de foot. Allô. Oui, allô, bonjour. Oui. Oui, monsieur, vous allez bien? Oui. Oui, c'est pour avoir un petit renseignement. Je suis au lycée et j'ai des sondages à faire au lycée. Et pour savoir, j'aimerais avoir deux questions. Et si vous pouvez répondre à mes questions, s'il vous plaît. C'est très court. Oui, mais c'est pourquoi vous voulez, vous? C'est pour mon baccalauréat. Et j'ai une épreuve importante où je dois appeler des gens pour avoir un sondage. Et juste, j'ai une question, une réponse. Maintenant, prends l'accent. Attendez, je vais mettre un téléphone. Ok, c'est parti. Alors, en fait, c'est vous préférez plutôt avoir... ouf, c'est quoi déjà? Ah oui, vous préférez voir un terrain nu ou plutôt une femme nue? Un terrain nu. D'accord. D'accord, merci. Ben, merci pour l'information. Oh merde, je vais raccrocher à la gueule, il était trop gentil. Il lui a dit bon dimanche. Mais tu sais que moi ça m'a tué quand il a dit attends, je te mets l'interphone. Ah oui, oui. C'est quoi l'interphone? Ah, il en parlait. Premier appel, mec. Ça fait plaisir. J'ai une idée. Après 15 minutes de tournage. Allez, c'est parti pour le deuxième là. Ok, 0, 7 ou 6. Je suis trop fort. 0, 6. 16. 11. Ok les gars, 0, 7, 61, 61, 1, quelque chose. Non monsieur, c'est le retour. 0. 10. Oh! Et bah, ce qui nous fait un 07 61 61 11 bip. Yes, là tu dis, tu vends une formation pour apprendre à séduire. Allô? Ouais. Bonjour, ça va? Ouais. De lait et toi? C'est un pote à toi? Non, je sais pas. Mais en fait, tu fais de la prospection, mais par téléphone. Est-ce que tu es en couple? Non. Bah justement, ce que je vais te proposer, ça va beaucoup t'intéresser. Et si tu penses que non, ce sera peut-être le cas plus tard. Donc c'est l'appel vraiment à ne pas manquer, tu vois. Ouais. Déjà, pense à quelqu'un que tu aimes bien dans ton entourage. Ouais, ouais. Maintenant que tu penses à cette personne, tu as visualisé son petit prénom. Il a combien de lettres, son prénom? 4. D'accord, alors la formation que je vais te proposer, et du coup le prix sera 4 lettres, du coup 400 euros. Si au bout de 6 mois, tu l'as pas pécho, je te rembourse. C'est un mec. Tu sais, l'amour, il n'y a pas de genre, il n'y a pas d'âge. Et si au bout de 6 mois, t'as pas réussi à pécho le mec, bah ce sera moi du coup que tu vas pécho. T'as quel âge toi? Frérot, c'est un détail. Bon, frérot, je vais te dire la vérité, en fait, c'est Mastu, c'est pour une vidéo. Ça crépite. T'as gagné pour l'instant. Eh, merci. Enchanté, Mastu. Moi, le prochain numéro que j'appelle, on va devoir tous se passer le téléphone à tour de rôle sans qu'ils remarquent qu'on a échangé de personne. À chaque fois, ça change de personne. Par contre, celui qui se fait cramer, bah, il a perdu, il a un truc à la fin. Un cul roule. Ouais. Si tu la mets pas, t'es une salope. Voilà, 14. Ouais. 13. Oh, le 15. Oh, il prend le risque. Ah, bon, à partir de maintenant, quand ça touche pas le scratch, c'est rien, c'est pas 0, juste on rejoue. Parce que sinon, il y aura que des 0-0-0 avec une équipe de nuls comme ça, là. Olé. Oui. Oh là là. Oui, 10. Let's go. Je vais y raconter une histoire. Ouais. L'autre, le prochain, va devoir suivre l'histoire, peut-être tout changer, et l'autre va tout changer. Voilà, exactement, le téléphone arabe.
Oui, allô ? Oui, allô, bonjour ? Oui. Oui, excusez-moi, est-ce que vous auriez vraiment 2 minutes ? C'est pour mon baccalauréat, je dois faire des sondages pour appeler des gens. Allez-y. Ok, super, merci beaucoup. Alors, en fait, c'est pour savoir au niveau des grèves. Alors, c'est ça, histoire géo. Voilà, c'est ça, au niveau des grèves, faudrait savoir en fait si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec les gilets jaunes. Juste oui ou non, vous n'avez pas besoin de débriefer, il n'y a pas de souci. Oui, oui, vous êtes d'accord ? D'accord, bah, moi aussi en plus. Donc, alors la deuxième question. Du coup, la deuxième question, en fait, vous avez vu le mouvement social qu'il y a, les gens bloquent les routes, vous êtes au courant de ça ? Je sais plus, oui, allez-y. Oui. Je suis en train de marcher, je sais. Bah, vous ne faites pas bloquer ? Est-ce que vous êtes plus RATP ou SNCF ? Aucun des deux, on est trop loin. Ah, vous êtes trop loin, vous êtes où, madame ? On n'a pas de. Dans le 45, on n'a pas de. Ça, c'est pas bien sûr. Super, mais rassurez-moi, vous avez bien l'eau du robinet, on est bien d'accord. Je raccroche ou je fais pas ? Non, c'est pour savoir si vous préférez l'eau de bouteille ou bien l'eau du robinet. C'est pour la SVP. L'eau de bouteille. On est d'accord, la vitelle c'est mieux. Dernière question du coup. Ce serait pour savoir comment le Covid a impacté votre vie de couple. Non, rien du tout. Est-ce que vous êtes en couple ? Oui. Ah, je peux quand même avoir votre numéro ? Tu es là, tu m'appelles. Comme il a gagné un date, en vrai, il a perdu le. T'as son. Elle a raccroché sur toi quoi. Allez, on tourne. Oh non ! Pour une fois, je vise bien, putain ! Oh là là ! Allez, Gérald ! Oh, elle aurait fait mal ! Oh non ! Ok ! Oh, je suis fort maintenant ! Trust me. Ouais, 18, 14, 06, 18, 14, 34, il en manque 2. Allô ? Oui, bonjour. Oui. Je fais une étude pour le bac en ce moment et j'ai juste 2 questions à vous poser, ça prend 1 minute. Par rapport aux questions pour le bac, je tenais à vous préciser que c'est des questions de SVT. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous pensez justement au niveau de la chasse ? Est-ce que vous pensez que les chasseurs ont raison ? Oh non, Anto, t'as perdu mon œuf. Ah oui, c'est vrai ça. Le contre son camp. Zéro sept, 17. 10. 7. Putain, mais je suis fort. 11. Il manque un numéro encore. Voilà, allez, c'est... N'hésitez pas dans les commentaires la prochaine fois comment on peut trouver un numéro de téléphone. C'est parti. Ma frère, il répond jamais. Allô. 13. Je vais mourir. 7. Il a failli m'éclater. 17. 17. Regardez les gars, t'as montré que c'est facile. Bon, bah depuis le début en fait, je faisais exprès, regardez bien. Oh, tu l'as. Allez, réponds là. Bonjour, bien sûr, je réponds. Non, ouais. 14. Wesh. 14. Wesh, le mec est trop chaud quoi. Depuis le début, c'est une merguez. Là, le mec il tire dans ma balle quoi. Oui monsieur, le 10 de dessin. Oh. Oui. Ah, ça c'est presque. Ça fait seigneur. Oui. 17, 17, 17, 5. Allô. Allô, ça va? Oui, c'est qui? Ouais, bon, tu vas pas connaître, mais dis-moi, j'ai une question. Tu vois, c'est bientôt le Black Friday et je fais une petite enquête. Du coup, est-ce que t'as prévu d'acheter des cadeaux durant cette période de solde, de promotion énorme ? Non. Alors, bah, justement, c'est une bonne occasion parce que moi, si tu veux, si tu connais une boutique qui s'appelle Proziz, tu peux avoir 10% avec mon code qui s'appelle Anto. Il y a des, en fait, il y a plein de petits gâteaux protéinés, healthy, pour faire attention à sa ligne. Franchement, c'est super cool. Et tu sais quoi, je peux... Ah, je fais pas trop attention à ma ligne, moi. Ah. Moi, j'aurais une question à te poser. Je sais pas comment t'as mis mon numéro. Bah justement, en fait, je suis tombé sur toi sur une app de rencontre et je t'ai trouvé trop fraîche. C'est impossible. Si, si. Eh, les coups d'un soir. Et sinon, toi, t'es plutôt télé, écran plat, Xbox ou PC ? Il a perdu le cadeau. Non mais pas, non mais c'est pas. C'est à cause de lui. Non mais t'as bien cassé. Hard, il était trop hard. Non mais il a tout. C'est quoi ça? Il a été trop loin. Il a été trop loin. Vas-y Seigneur, range-toi. Il a mal parlé à la dame. On parle pas comme ça aux gens. Il a mal parlé à la dame. Ah, sale merde. Ah, envoie.
Bon, les refs, merci d'avoir suivi cette vidéo. Dites-nous dans les commentaires si vous voulez revoir d'autres épisodes sur On appelle des gens au hasard, en essayant avec des cibles ou d'autres choses. Dites-nous si vous avez des idées. Et comme d'habitude, on appelle que des vrais numéros. On va galérer pour trouver des numéros. Là, regardez, on a mis plus d'une heure à faire ça. Merci à eux de nous avoir aidés, les frérots. Merci, mon frérot. C'était adorable. On va retrouver toutes les chaînes et Instagram dans la description. Bisous. Ciao. Bon, allez, on découpe ça. Je me suis tapé ça la gueule.